Oui, c'est des automatismes entre les joueurs. Tantôt c'est Abid qui part en pointe. Attention à la frappe et le but. Oh, le but de Saïoud, la belle frappe et la reprise de volée sur ce centre de Darfalou. Reprise du pied gauche de Saïoud, sans temporiser. Le gardien Rahmani qui n'a pas du tout branché. Et l'USMA d'Alger qui mène après 59 minutes de jeu sur le score d'un but à 0 en ce 16e de finale de Coupe d'Algérie face au CS Constantine Ahmed Laribi. Oui, Rahmani qui n'a vu que du feu sur cette frappe très pure, très limpide. Voilà, balle au sol. Et Rahmani n'a fait que accompagner le ballon avec les yeux, du regard. Avec un très bon centre de Darfalou côté droit. Quelle frappe du pied de l'extérieur. Le buteur qui fait une passe splendide sur un milieu de terrain offensif qui a l'habitude de lui donner des ballons. J'avais dit en première période, Hakim, si vous vous souvenez, que Saïoud, aujourd'hui, je l'ai trouvé meilleur par rapport à ses précédentes prestations. Je suis très content pour lui. Et là, il ouvre la marque un match. Là, on voit le centre d'Alfadlou. Et quelle frappe, quelle reprise de volée de Saïoud. C'est ça le football, c'est du bien. Du pied gauche et de l'extérieur du pied. Pour débloquer la situation. Ces ballons. Pas de solution et il reste beaucoup de jeu. Allez, Ben Ayad, c'est bien fait pour Belkhir. Belkhir qui a le ballon. Belkhir. La frappe de Belkhir ou la parade de Mansouri. Oh, que c'était beau cette belle frappe. Elle était cadrée. Et personne n'a pensé que Belkhir allait tirer. Et la belle claquette de Mansouri qui met en corner pour cette superbe belle frappe du pied droit de. Et la belle claquette du gardien. Allez, Belkhir à l'image pour le corner. Belkhir au deuxième poteau, la tête. Ouh, la défense, qu'est-ce qu'ils viennent de sauver, le petit cafouillage. Abid une première fois, puis je pense que c'était Arroussi une deuxième fois. Allez, le long ballon. Oula, l'erreur, oula, la sortie, la faute de main. Attention au carton pour Mansouri. Attention au carton, la limite de la surface de réparation, le rouge. Et le rouge pour le gardien Mansouri. Oula, quel football. Voilà, à pratiquement 3 minutes, la sortie hasardeuse de Mansouri, qui sort avec ses mains, qui se prend un carton, pratiquement à la limite de la surface de réparation, ça aurait pu faire autre chose. Attention, attention, quelle erreur de Mansouri. Erreur monumentale. Alors qu'il y avait déjà 2-3 joueurs de l'USMA en défense. Oui, mais là, je pense que Mansouri n'a pas eu... d'essayer de transformer ce coup franc en but égalisateur. Zerara la frappe, oh le poteau. Oh la chance qu'il a Ben Elfen. Le poteau qui vient sauver le gardien. La tête de Ben Chérifa. Et le gardien.